Dites-le avec ferveur. 6 novembre 2021. Déclaration de foi. Je déclare un patrimoine de promesses sur ma vie. Je déclare que je réserve des bénédictions pour les futures générations. Ma vie est marquée par l'excellence et l'intégrité. Parce que je fais les bons choix, et que je fais des pas d'assurance, les autres voudront me suivre. L'abondance de Dieu entoure ma vie, aujourd'hui et chaque jour. C'est ma déclaration. Confession de santé divine. Je fonctionne et opère à partir du royaume de Dieu, où il n'y a pas de maladie, d'affaiblissement ou de mort. Je vis dans ce royaume maintenant et je fonctionne dans la domination et l'autorité d'en haut. Non seulement je profite de la vie divine du royaume de Dieu, mais je porte aussi ses bénédictions partout où je vais, manifestant la gloire de Dieu. Amen. J'ai ce que je dis au nom de Jésus. Je suis forte, je suis en bonne santé, je suis bénie, je suis puissante, je suis ointe, je suis libre, je suis l'aimée de Dieu, je suis favorisée par Dieu et l'humanité. Je parle ce que je veux voir, non ce que je vois. Je suis une précieuse semence. Je suis sur une bonne terre dans la maison de mon Dieu. Je m'épanouis comme le palmier dans les cours de mon Seigneur. Je porte des fruits abondants en sa saison. Je suis rempli de sève et je grandis dans le Seigneur. Et même dans la vieillesse, je serai frais et florissant. Ma feuille ne tombe pas et tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Les choses marchent toujours pour moi au nom de Jésus. Je suis le receveur de chaque bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je suis un esprit. Mon esprit a une âme. Mon esprit et mon âme vivre dans un corps physique. Mon esprit commande mon âme. Mon âme écoute, reçoit et donne des instructions à mon corps. Et mon corps obéit. Au nom de Jésus, je parle à mon corps. La vie indestructible de Dieu est évidente et s'exprime toujours dans ma vie. J'exprime la vie à chaque détail de mon corps. Je parle à mon esprit. Sois parfait, comme l'esprit du Christ. Et je te commande d'être aligné par la parole de l'Éternel. Je parle vie à mes tendons et mes nerfs. Je parle force à mes muscles et mes ligaments. Je parle vitalité à mon cœur. Je parle à mes poumons et à mes tissus pour maintenir un taux de ventilation et de perfusion normal. Je parle perfection à mes reins, mon foie et mon pancréas. Il y a de la vie dans chaque cellule de mon sang, mes os, mes articulations et mes cartilages sont alignés forts et fermes. Mes doigts fonctionnent parfaitement. Mes yeux voient clairement et parfaitement. Et mes oreilles fonctionnent de manière optimale. Ma peau est lisse, saine, comme celle d'un nouveau-né et à la beauté de Dieu. Mes follicules pileux se sont serrés. J'ordonne à mes cheveux de rester en place.
Et là où la croissance est nécessaire, je libère l'accroissement dans mes follicules, mes dents, mes gencives, les œufs de ma mâchoire, les nerfs et l'approvisionnement en sang sont tous sains, forts et parfaits. Toutes mes hormones et tous mes transmetteurs neurochimiques sont en parfaite harmonie, les uns avec les autres, et exécutent leurs fonctions normalement. Mon système digestif est capable de digérer, d'absorber et d'assimiler tous les aliments ingérés. Et les déchets métaboliques sont excrétés régulièrement. Mon système reproductif produit et dépose des spermatozoïdes en quantité suffisante et de bonne mobilité. Mon système productif produit des ovules en temps voulu, protégeant et nourrissant le fœtus jusqu'à la naissance. Chaque organe, chaque tissu de mon corps fonctionne dans la perfection à laquelle Dieu l'a créé pour qu'il fonctionne. Et j'empêche tout dysfonctionnement et malformation dans mon corps, au nom de Jésus. Toute mon anatomie et physiologie humaine est perfectionnée dans la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu le Père m'aime, je le sais, je le sais. Dieu le Fils m'aime, je le sais, je le sais. Dieu l'Esprit m'aime, je le sais, je le sais. Amen. Shalom.